Oui, Pascal Milsonneau, mutualité française Anjou-Mayenne, délégué syndical Force ouvrière. Nous sommes là parce que pour la première fois depuis un siècle, la mutualité a déclenché un PSE sur l'activité de pharmacie dans une entreprise qui est la plus grosse entreprise du Maine-et-Loire en tant que privée, 1700 salariés. Et nous avons des difficultés, je trouve ça très paradoxal, dans la mesure où même si l'activité pharmacie aujourd'hui a des difficultés parce qu'il y a un déficit sur pharmacie d'Angers, eh bien, l'entreprise, quant à elle, se porte économiquement tout à fait bien, avec des réserves assez confortables. Et donc aujourd'hui, nous aimerions que la mutualité prenne conscience qu'il faut qu'elle traite ce problème de 15 postes de suppression de façon très humaine. Et nous refusons purement et simplement la suppression de ces postes et n'acceptons pas les 100 ciments secs pour une entreprise qui, par ailleurs, comme je le disais, se porte très bien.